Vous êtes toujours sur Gulli avec nous dans le Gulli Live. On est ensemble jusqu'à 19h et aujourd'hui, c'est la... Folie. Génial cet épisode de Bienvenue chez les Laos. Trop bien. Moi, je ferais bien partie de la famille Casagrandes. Ah. Genre Moussier Casagrandes. Moussier Casagrandes, c'est ça classe, ça. Ouais. J'avoue, t'aurais ta place, hein, Johan. Ah bah oui, il est complètement toc-toc, notre c'est Moussier. En plus. Cette petite salopette rose, hein, je s'attirait bien chez merci les Casagrandes. Merci beaucoup, merci. Attention, il est temps à présent d'accueillir notre premier invité du jour. Il est 5 fois champion de France de speed cubing. En gros, c'est le meilleur cubeur de France. Faites du bruit pour Alexandre Carrier. Ça va, Alexandre? Ça va, ça va. D'entrée, directement comme ça, cadeau, on a un message pour toi. Salut, moi c'est Laetitia et je te trouve trop impressionnant. Et si ton prochain défi c'était de résoudre un casse-tête avec tes pieds? Bisous à tous. C'est déjà fait d'ailleurs. Mais non, quoi? Tu l'as fait? Oui. Et t'as réussi? Oui, mais après c'est pas une épreuve officielle, mais c'est amusant. Alors justement, les épreuves officielles, on en parle, il y a quoi? Donc en fait, il y a plusieurs épreuves en compétition, ça va du 2x2 au 7x7, en passant par le Pyramax, donc une pyramide. Et puis il y a même du 3x3 à une main, voire même les yeux bandés. Quand tu dis 3x3 et tout, en fait c'est le nombre de cubes... En fait c'est le nombre de cubes par côté, ouais. Ouais, le nombre d'accord. de carrés par côté. Comment on devient champion de France? C'est quoi le... Il y a un régime alimentaire spécifique, il y a de l'entraînement... Non, je pense que c'est surtout de la passion et puis de la pratique au fur et à mesure du temps. Mais faut être quand même assez intelligent pour faire ça. Je pense que c'est une logique visuelle, une logique spatiale. Mais après, je pense que tout le monde peut y arriver avec de la pratique. Les amis, il est temps de passer aux choses sérieuses. Il est temps de passer au cap ou pas cap. T'es cap ou pas cap? Je suis cap, je suis cap. T'es cap ou pas cap? T'es trop cap. Allez, alors attention, Alexandre Carrier, un cap ou pas cap? Extrêmement compliqué aujourd'hui. Regarde devant toi, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 cubes qu'avec Moussier et Gwendal, nous avons remis comme ça. On a fait tout mélangé comme des dingues. Ton objectif, Alexandre Carrier, est d'en résoudre le plus possible en 30 secondes. Avec qui joue-t-on? Nous! Moi, c'est Marie, j'ai 8 ans! Moi, c'est Louane, j'ai 12 ans. On habite en Gironde et on adore les jeux de société et le théâtre. Moi, c'est Clarisse, j'ai 9 ans. Et moi, c'est Jarline, j'ai 12 ans. On habite en Auvergne, on adore la gym et le kickboxing. Alors, la team connectée, vous avez bien vos ardoises avec vous? Oui! Ok, c'est très important parce que à partir de notre top, vous avez 10 secondes pour écrire votre pronostic. Et gardez bien vos réponses secrètes, nous les dévoilerons à la fin du cap ou pas cap. Allez, 10 secondes pour écrire d'après vous combien notre champion va-t-il résoudre de cubes en 30 secondes. Top 10 secondes. Alors j'en profite pour vous dire que si vous voulez participer au Gulli, c'est très simple, hein, vous foncez dès maintenant sur gulli.fr. Même chose pour le concours des héros. Top, c'est terminé. Ok les amis, c'est bon, vous avez eu le temps de tout noter? Oui. Oui. Magnifique, et ben je crois qu'il nous reste plus qu'à encourager notre invité. Attention, 3, 2, 1, et top chrono. Allez, c'est parti. C'est parti pour ce gros challenge. Vas-y, les Alexandre. Amis. Il est parti, Alexandre. Regardez ses doigts, regardez comme ça va vite. Comment il fait? Ah, il fait, c'est un trou. Oh, ça, c'est Gwendal. Celui-là, c'est Gwendal qui l'avait fait. Il l'a fait en 10 secondes. Un petit 2 facile. Secondes. Allez, attention, maintenant celui losange fait par Moussier. Moussier qui avait mélangé. Regarde Moussier comment il va résoudre ton petit problème. Boum, posé. Plus que 10 secondes. Incroyable. Il est là, 7, il est chaud. Alexandre Carrier, je rappelle, 5 fois 5, champion de France. 4, 5 fois champion 3, de France. 2 speed cubing, top chrono. Non, les copains, on est obligé de le valider. Non, Gwendal, on ne valide pas. T'as le temps, c'est le alors, temps. Alors attendez, non, mais attendez. Vous faites le temps, les malins, c'est le temps. J'aimerais non, bien vous y voir. Ah bah attends, mais ça c'est trop vas-y, easy. Vas-y, Johan, fais-en. Bah attends, regarde le truc on rigole. Là. Alors, regardez bien, nous en avons validé en 30 secondes. Un cube résolu, 2, 3, et celui-là, on ne peut pas le comptabiliser puisque le chronomètre était arrêté. Attention, c'est l'heure de la révélation. On commence par les filles? Oui. Ok, Charline, Clarisse, est-ce que vous pouvez retourner votre ardoise? Elles ont pronostiqué... Eh ben, c'est le 5. 5 cubes résolus. Et Marius, je le vois sauter sur place depuis tout à l'heure à côté de sa sœur. Ah ouais? Il bouge, il est comme ça, il a ses cheveux d'ailleurs. Un petit peu la même coupe que toi, Gwendal. C'est vrai, non, c'est mais vrai, vraiment, c'est vrai. Ça bougeait dans tous les sens, ça faisait... Mais pourquoi, Marius et Luan, vous avez pronostiqué... 4! Wow, c'était très 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 serré. Ben ouais, du coup vous l'avez compris, les plus proches, ce sont Marius et Louane. Vous avez gagné des kits de paléontologie et un dinosaure. Ils sont trop contents. Bon, Charline et Clarisse, vous inquiétez pas, hein. Y a que des gagnantes dans le Gulive, hein. On vous envoie une surprise à la maison. Marius et Louane, Charline et Clarisse, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de notre champion? C'était génial. Il est fort, hein?
Et est-ce que ça vous a donné envie de faire du cubing? Ouais. Ouais, non, Charline, elle s'y mettra pas. Ça fait 2 ans que j'essaie d'en résoudre un. C'est ça, au club. Non, mais Alexandre Carlier, vous avez vu la rapidité. Non, mais c'est un exploit avec ses doigts, ça fait... Ce mec est un artiste. On est vraiment incapable de faire ce que t'as fait, c'est incroyable. Merci au Gulliver de m'avoir encouragé pour essayer de relever ce défi. C'était super sympa. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté notre invitation. À bientôt, ciao, ciao. Ciao, ciao. Dans quelques minutes, nous saurons lequel ou laquelle a gagné le concours des héros et qui a remporté la tablette. Et ne bougez pas d'un pouce, car c'est un duo top qui nous rejoindra pour un live exceptionnel. Emma et Andy vont venir nous interpréter leur chanson Petite Sœur. Mais ça, ce sera juste après les aventures de vos héros préférés. Kat va tenter de prendre le pouvoir. Et oui, parce que maintenant, elle parle. Et c'est tout de suite dans Boy, Girl, etc. Ouais.